Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite explication avant de vous lancer la vidéo, je fais cette vidéo pour reprendre les bases. J'ai décidé de faire un peu comme un crochet 101 où je vous explique vraiment les fondations. J'essaie de vous vulgariser tous les points qu'on utilise dans le crochet pour pouvoir ensuite les réutiliser. Je peux comprendre que ça peut faire peur au début avec toutes les mailles, les crochets, les machins. En réalité c'est très très simple et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Sans plus de blabla, je vous laisse avec la vidéo. Bye. Avant de commencer, petit disclaimer, j'ai appris à faire du crochet via YouTube et via des tutoriels en anglais. Ce qui est plus pratique pour moi, c'est d'utiliser les termes en anglais. Pas de panique, je vais toujours mettre les termes en anglais et en français, comme ça pour ceux qui ont des bases en crochet mais avec des termes en français, vous serez pas perdus, et inversement. Pourquoi est-ce que je décide de faire ça? C'est parce que je trouve que le système en anglais est beaucoup plus simple à comprendre. J'ai dû chercher les termes sur internet parce que je connaissais pas du tout les termes en français, et pour moi, je suis désolée, mais ça me parle pas du tout. Un single crochet, visuellement parlant, tu sais ce que c'est, ça va être une boucle. Enfin, tu vas faire une action, donc c'est un single crochet. Alors qu'en français, tu vas appeler ça une maille serrée. Désolée pour le franglais à venir dans cette vidéo, m'en voulez pas trop. Bah, si vous êtes pas content, c'est pareil. Du coup, pour avoir un projet basique, il faut toujours prendre une laine qui a une certaine taille avec le crochet qui va avec. Si je vous montre l'étiquette de cette laine, on est sur... Voilà, vous avez la taille juste ici pour crochet 10. Évidemment, c'est une recommandation. Vous pouvez toujours prendre une laine comme ça et prendre par exemple un crochet beaucoup plus gros. Ça, c'est un crochet 18 mm. Seulement, quand vous allez faire vos projets, vous allez avoir un rendu beaucoup plus détendu. Il y a de toutes les tailles pour tous les projets. Donc voilà. Première chose, ce qu'on va apprendre à faire, bien sûr, comment est-ce qu'on commence un projet. Donc en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est une première boucle. Alors comment on fait une première boucle? En gros, vous prenez votre laine comme ça. Bon, moi je la fais à l'arrache à chaque fois. Je vais essayer de vous montrer comment le faire d'une manière méthodique. Mais en gros, prenez votre laine comme ça. Faites le tour. Vous avez comme un X là. Et en gros, vous allez prendre la laine, vous allez tout garder et hop, oups. Voilà, vous avez votre boucle. Cette boucle là, hop, vous allez passer votre crochet dedans et vous allez serrer. Pour commencer, je vais tenter de vous expliquer comment est-ce que moi je procède pour imaginer, pour me projeter et savoir comment je dois procéder pour faire un pull, un sac, peu importe. Je vais vous expliquer comment moi je fais pour me projeter sans avoir de patron particulier. Là, vous avez imaginé votre pull à plat avec les deux bras droits. Ma manière de procéder, elle est très visuelle. Je découpe le pull en question, ou la pièce, dans ma tête, de façon à ce que ce soit comme des bandes de tissu. Comme ça, dans ma tête, je sais par exemple combien de rangs je vais devoir faire. Imaginons ici, vous avez un rang, vous avez deux rangs, vous avez un troisième rang, et ainsi de suite. Pour les bras, vous allez avoir un rang, deux rangs, et ainsi de suite. Et en gros, le truc, c'est qu'il faut décortiquer chacune des parties du pull. Vous allez les faire au crochet. Et après, le tout, c'est d'avoir à la fin toutes les pièces que vous allez du coup assembler individuellement pour créer votre pull. Après, là, vous avez fait que le devant de votre pull. Pour faire un pull, il suffit de le faire deux fois. Et après, vous viendrez prendre les deux pièces, vous allez les superposer et vous allez les rattacher pour faire comme un pull. Bon là c'est un peu poussé, mais en gros c'est comme ça que je visualise mes prototypes sans avoir de patron particulier. Donc une fois que vous avez imaginé tout ça, plusieurs manières de tenir le fil. Moi mon problème quand je fais du crochet, c'est que j'ai tendance à tenir mon fil comme ça. Donc je vais faire comme ça. Et voilà, vous voyez, je vais faire comme ça et je vais le tenir là, comme ça. Les nanas qui font du crochet depuis toujours, elles ont tendance à tenir leur fil comme ça. Tu vois, comme ça, hop, le fil il vient tout seul, tout ça, tu vois, hop. Moi mon problème, ce que je fais, c'est que je tiens mon truc comme ça, et du coup le fil il vient tout seul, mais à la fin, mon projet il est souvent trop serré. Bon, ça c'est pas bien grave, mais ça peut compliquer votre tout l'acheminement du projet si c'est très serré, que c'est un peu tordu, etc. Du coup, comment faire une chaîne? Ce qu'on va faire là, la base de tout projet, c'est une chaîne. Comment commencer une chaîne? Vous avez votre crochet, vous avez votre laine. Ce que vous allez faire, c'est hop, vous allez le passer derrière.
Alors cette action là en anglais elle a un terme, ça s'appelle yarn over. Donc hop, vous le passez derrière, yarn over, et vous ramenez la boucle. Hop, vous avez une première boucle de votre chaîne, sur votre chaîne. Donc pour continuer, hop, yarn over et on ramène. Yarn over et on ramène. Yarn over et on ramène. Bon allez, je vais faire un effort et je vais tenir la ligne correctement parce que si je vous apprends mes mauvaises habitudes, ça va pas le faire. Hop, yarn over, on ramène la boucle. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au nombre voulu de boucles. Voyez, voilà ce que ça fait quand c'est un peu trop serré. Quand vous faites vos mailles, vos boucles un peu trop serrées, on a tendance à partir en courbe comme ça, ou alors voire pire comme ça. Donc voilà, là vous avez une chaînette. Comment on compte un nombre de boucles dans une chaînette? Chacune de vos mailles, c'est les petits V que vous voyez comme ça. Donc là on va les compter ensemble. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci, elle compte pas. Donc là, vous avez 7 mailles. Vous avez une chaînette de 7 mailles. À partir de là, si vous avez besoin de plus, bah, vous en faites plus. Vous reprenez simplement. C'est tout bête. Hop. On yarn over. Et on ramène. Maintenant, combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai rajouté 3. Si j'en ai fait une de trop, c'est pas grave. Je tire. Donc là, j'en ai 10, 9, 8. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le nombre de mailles là, ce sera la base de votre projet quand vous allez commencer. Du coup, si par exemple vous avez besoin d'une chaîne de 10 mailles, vous n'allez pas en laisser 10, vous allez en faire 11. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, vous êtes en train de faire votre chaîne comme ça, on est d'accord. Sauf que maintenant, vous allez la prendre dans l'autre sens. Voilà, pour aller dans l'autre sens, parce que de base, on est en train de faire ça. Là, on la retourne et on fait ça. Là, on va faire un rang de single crochet ou de mailles serrées en français. Comment on fait? Vous prenez votre crochet. Vous avez la boucle ici dans laquelle votre crochet est. Et c'est pas là qu'on va devoir insérer le crochet. Donc, comment on fait un single crochet? Vous prenez votre crochet et vous allez l'insérer dessous. Yarn over. Je ramène la boucle et je prends le fil, je yarn over et je ramène dans les deux. Et là, vous avez votre premier single crochet ou maille serrée. On continue. Si on veut faire un round single crochet, on a juste à continuer de la même manière. Donc là, vous avez le prochain V. Hop, vous allez en dessous, vous allez yarn over, hop, yarn over et je ramène. Oups. Voilà. Donc n'hésitez pas à resserrer un peu entre chaque maille pour que ça ressemble à quelque chose et pas que ce soit trop détendu non plus. Vous avez le prochain V là. Donc on va le mettre hop ici. Yarn over. Et hop. Oups. Voilà, ça arrive, c'est pas grave, on remet dedans. On va faire ça dans tous les brins ici. On continue. Yarn over. Yarn over. Du coup, quand vous arrivez à la fin et qu'il vous en reste qu'une, ce que vous faites, c'est que, comme tout à l'heure, vous faites ça. Vous ramenez. Comme tout à l'heure, on change pas. Et du coup, hop, on arrive à là. Vous allez, hop, prendre votre laine. Vous allez yarn over. Vous allez faire, hop, une nouvelle boucle. Une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, vous allez tourner pour aller dans l'autre sens. Et ensuite, vous ferez comme ça, tac, tac, tac. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'on est, on parle plus, on fait plus nos single crochets dans la chaînette de base. Maintenant, vous voyez que c'est pareil, c'est comme la chaînette, sauf que là, au lieu de la passer dans cette maille-là, vous allez, comme tout à l'heure, vous n'allez pas aller là. Parce que c'est là où votre boucle, là où votre crochet se situe, donc vous n'allez pas aller là.
vous allez aller là, là, et vous voyez, sous le V, vous avez un trou. Vous avez un trou dans, sous chaque V. Et nous, c'est là qu'on va vouloir travailler. Pas là, vous allez aller là. Vous voyez, vous avez le V là. Donc, comme tout à l'heure, yarn over. Et on ramène la laine. Hop, premier single crochet de votre deuxième rang. On recommence. Voilà. On le fait bien passer sous les deux brins. Tac. Et on ramène. Et on fait ça pour tout le rang. Tout le rang. Hop. On fait de la suivante. Là, encore une fois, vous arrivez à la fin. Votre dernier V. Vous passez bien sous les deux brins. Vous avez le V ici. Et yarn over. On ramène et on ramène. Voilà. Donc là, vous avez fait deux rangs. Deux single crochets ou deux mailles serrées. Encore une fois, comment est-ce qu'ici on va faire pour aller dans l'autre sens? Alors, quand vous arrivez à la fin, vous pouvez pas repartir comme ça. Hop, comme ça. Sinon, ça va faire un truc bizarre. Il faut que vous fassiez encore une boucle. Hop, pour fermer ici le rang. Comme j'ai dit tout à l'heure, on retourne sur le crochet. Vous n'êtes pas obligé de retirer sur le crochet. Moi, c'est juste qu'il est glissé. Et du coup, comme j'ai dit, on va pas là. Parce que c'est là où se situe votre crochet. La boucle de votre crochet se situe là. Faut aller là. Là. Hop. Voilà, et on continue, comme depuis tout à l'heure, donc hop, encore une fois, on arrive à la fin du rang, il nous reste qu'un seul V, ici, donc hop, on va dans, sous notre dernier V, yarn over, et on chain one, chain one. Donc là, vous avez appris à faire du single crochet et ça, c'est vraiment la base de tout. C'est la base de tout quand vous commencez. Moi, j'ai fait des projets entièrement en single crochet ou en maille serrée. On peut faire tout. Je pense qu'on a fait le tour vraiment des bases. Vous savez comment faire une chaîne, vous savez comment faire un rang, un deuxième rang, un troisième rang, donc des allers-retours. Vous savez comment faire une maille serrée et vous savez comment compter vos mailles. Dans une prochaine vidéo, si celle-ci vous plaît et que ma façon d'expliquer vous plaît, la prochaine fois on pourra aborder les doubles crochets ou les brides, les half double crochet ou les demi-brides, si les slip stitch ou les mailles coulées. N'hésitez pas à commenter et à me faire part de vos questions. Je réponds à tout. On se dit à une prochaine et prenez soin de vous. Bye.